parti pour une première quart de finale. Elle est en jambe depuis ce matin, depuis ses manches calibres, la Matisse Luron. Le pilote d'Iranie, c'est lui qui va sortir en tête. Oh, attention, il y a une glissade de pilote à terre. En deuxième place, ça réagit immédiatement maintenant avec Florian de Bachelier, le pilote du Nord Club en accroche. La troisième place également avec Tom Bazin, le pilote du Val Gaming. Voilà, il restera encore une place à prendre derrière ce trio qui s'est ainsi constitué. Cette quatrième place, elle devrait revenir à Maxime Ketschwiller, le pilote de Vesoul. Voilà, il ne devrait plus y avoir de changement maintenant et qualification. Donc, c'est quatre là avec Mathis Luron, Tom Bazin, Florian Desmarchelier et Maxi Kekenbiller. Et là, vous... Allez, le deuxième quart de finale dans cette catégorie de 17-24 ans. Là encore, ça devrait sortir très vite avec Victor Maton pour le Nord BMX Club. Attention, il y a Kevin Talon également qui se présente aux avant-postes de deux plaques 92. Pardon, Alexandre Pierre qui est là également pour l'entente-cycliste de Colmar. Devant, si on récapitule quelque peu, donc toujours Victor Maton en tête, Kevin Talon à la deuxième place, Alexandre Fer en troisième position et attention pour la quatrième place. Ça revient également là avec un pilote byzantin à Besançon, donc Thibaut Leblond. Thibaut Leblond qui devrait pouvoir tenir et lui aussi se qualifier pour tout à l'heure des demi-finales. Alors il vient c'est pas lui parce que c'est tout simplement la plaque 82 du club de Bayonne sur Clairin, Laurent Salem. Et bien qui va prendre la première position. Ah ça a été délicat, ce premier virage a été délicat. Et bien qui est à la deuxième position pour le club de Dijon. Voilà donc pour l'instant le Calaisien qui revient. Alexis Woolmar qui tente de revenir pour prendre une troisième position. La quatrième place va être très disputée. Parce qu'il y a Martin Lefemme, il y a également Maxence Corion. Dernier virage, dernière ligne droite et trajectoire très efficace pour Maxence Corion qui va ainsi revenir et se voir qualifié et attribuer une quatrième place pour tout à l'heure les demi-finales. Allez, le dernier quart de finale de cette catégorie de jeunes de 18-35 ans qui va parvenir à prendre l'avantage. Il y a Raphaël Casanova à l'extérieur et c'est lui, oui, c'est bien lui. Raphaël Casanova qui va prendre la première position avec sa plaque ronde. Sorti de l'extérieur pour l'instant, il est en première position. Amaury Vielard, et bien pour l'instant, la deuxième position pour Val BMX. Et du côté, et bien la troisième position, on va observer Malancelin. Malancelin, regardez, très technique et qui revient très bien dans cette troisième ligne droite pour éventuellement revenir chercher une deuxième position. Et du côté, et bien de la quatrième position, on va retrouver le club de Besançon avec Corentin Imbert qui va se...